Bonjour, je m'appelle Merve. Aujourd'hui, je vous explique les différences et les points communs entre le turc et le français. On peut noter des différences alphabétiques entre le français et le turc. En turc, le mot se lit comme s'il écrit. En revanche, en français, certaines lettres sont combinées avec d'autres lettres pour créer un son différent. Les deux langues utilisent l'alphabet latin. Chaque lettre a sa propre valeur sonore en turc. En revanche, en français, certaines lettres sont combinées avec d'autres lettres pour créer un son différent. Il y a des lettres en turc qui n'existent pas en français, telles que ch, u, yumuşak g, e, ı. Des lettres en français qui n'existent pas en turc, q, x, w, et les lettres avec des accents. En termes de prononciation, c'est que le son combiné correspondant à une seule lettre en turc. Par exemple, la voyelle E en turc s'obtient en français en combinant les lettres O et E. Comme dans le mot cœur, où la combinaison des lettres C et H en français est souvent assimilée à la lettre Ch en turc, comme dans le mot chien. Par exemple, la lettre Q se prononce généralement comme Q. Et la lettre W se prononce comme V en turc. En termes de consonnes, on peut noter également que la prononciation française ne comporte pas la lettre H, contrairement au turc où elle est prononcée. Pour moi, l'une des difficultés réside dans la prononciation de la lettre R. En turc, cette lettre est accentuée, tandis qu'en français, elle est prononcée de manière différente, de manière plus gutturale. Cela crée parfois des défis dans ma prononciation en français, pouvant rendre mon accent difficile à comprendre. De même, la prononciation de voyelles nasales telles que on, an ou in en français représente un défi pour moi, car elles diffèrent de la prononciation turque. Par exemple, le mot pan, van, bon présente des sons nasaux en français que je trouve parfois complexes à prononcer.